lorsque les forces dans le monde, objectif premier, c'est bataille pour respect, liberté, dignité, respect comme. Et Jean-Dominique a maltraité, humilié, discriminé compatriotes haïtiens, c'est violation de nos droits. Et la République dominicaine érigée en véritable bourreau parce que lui connaît parfaitement bien que la Convention internationale relative aux droits civils et politiques condamne le comportement. Il connaît bien la Convention internationale relative aux droits civils et politiques dit quel que soit citoyen étranger qui trouve sous territoire ou l'autre pays, je supposé protéger même gens qui ont circulé sous territoire par là. Et dans ce qu'a fait là, Dominique a bon harne, bon colère. On dirait que bon culture là quand Dominique vous raille ici. Écoutez, déportation ça yo, yo fait en contrario avec sa texte international et l'ONU qui c'est l'ONU organisation des Nations Unies mandé tout pays pour s'asseoir sur déportation pendant que on a une crise économique une crise dans le pays et Abinader dit lui-même de son pays souverain il pas prend l'autre dans mes personnes et là on pensait faut communauté internationale là dit un mot dans ça. Faut que la communauté internationale là parle sur ça. Et après, même l'ambassade américaine fait sortir une note. Parce que vous venez de mon côté, vous posez des questions même sous couleur peau en République dominicaine. Elle est tellement raciste, il vit. Il bataille ça, humiliation ça, chasse ça, persécution ça fait contre les Haïtiens. Nous pensons, un jour, les Dominicains ont pris un compte. Parce que vous connaissez que les Haïtiens sont êtres humains, les Haïtiens ont dignité, ils ne sont pas supposés à traiter les Haïtiens comme bêtes. Et une vidéo que vous regardez, un soldat dominicain qui bat un petit Haïtien pour prendre un bâton. Ça est inacceptable. Le traitement est inhumain, infrahumain. Et ça n'a pas fait honneur. C'est pas question ça. C'est pas tout ça. Pour l'autorité dominicaine a traité haïtien. Ça fait mal. Et moi me dis si nous avons l'état sérieux qui était des diplomates conséquents, il y a des mesures qui t'a pris d'après. Mais hélas, puisque nous avons l'état faible, et que la République dominicaine lui-même, une stabilité là, que le politique, que l'économique, c'est normal pour agir comme ça. Il y a deux mesures de représailles que nous avons prises. Fermer les frontières, camper sous commerce bilatéral là. Mais écoutez, l'on va gagner des armes, on ne va pas gagner la bataille. Camper sous commerce là, est-ce qu'on produit? On va faire production agricole ou à zéro? C'est Dominicain qui a bon tout manger. Maintenant, al campé là, c'est mettre tête dans une situation difficile. Voilà. Situation ça, nous-mêmes comme citoyens, comme avocats, nous permettons de réfléchir un peu parce que nous avons le temps pour nous refaire l'État. Tout ce qui a passé là, nous avons le temps pour nous refaire l'État. L'État qui est figu, l'État qui est caractère, l'État qui est solide là-dedans, l'État qui est jambe là-dedans, l'État qui est capable de faire Dominicain qui dit écoutez, soit faire pas bon. L'État qui est capable de faire face blanc qui dit blanc, soit faire pas bon. Et dans ce sens, moi-même, je demande aux autorités concernées, ces derniers mois, pour diplomates, pour consuls qui sont au président d'Haïti. En République dominicaine, pour agir pressé, pour protéger l'intérêt de chaque grand haïtien qui est en République dominicaine. Lila, il va pour louer les belles machines, pour dormir dans un bel hôtel, pour dormir dans un bel caille,
Mais la bataille qu'il suppose faire avant tout, c'est prendre position pour protéger l'intérêt de chaque grand haïtien. Que le t'es riche, que le t'es pauvre. Que le t'as en bataille, que le t'as en factory, que le t'as en grand entreprise. Faut lui protéger l'intérêt de chaque grand haïtien qui le doit. Merci. Parce que moi, je ne peux pas cautionner l'inconstitutionnalité. Après tout le monde invité, etc. L'organisation parmi nous, mais franchement, depuis ces bails qui ont cautionné des ordres qui ont souillé l'état de droit, donc je n'ai pas besoin d'y participer. Si c'est un avocat, c'est un avocat qui a dit que la nomination est inconstitutionnelle parce que elle est faite en dehors de la loi. Elle est faite en dehors de la Constitution. Article 175, mon loi paysan, dit mais que j'ai pris au nom de la Cour de cassation. Et la prérogative n'est pas attribuée au président, au Premier ministre de nommer les juges à la Cour de cassation. C'est vrai, il y a des problèmes, il y a des dysfonctionnements, c'est vrai. Il y a des crises, etc., dans le niveau appareil justice. Voilà, comment nous-mêmes, comme avocats, qu'à aller dans la logique cautionnée et nomination ça. Alors moi, je n'ai pas de problème avec le juge Lebrun, je ne le connais pas. Moi, je n'ai pas de problème avec le juge Lebrun, je n'ai pas de problème avec lui comme avocat. Mais cependant, j'ai un problème avec la forme, le mode de procéder, la façon de faire. Puisque vous connaissez, article 175 de la loi PN dit que c'est le président qui nomme les juges à la Cour de cassation. Les juges à la Cour sont inamovibles. Elle dit que c'est des juges qui se trouvent à la Cour suprême, etc. Et maintenant, une bon, façon de faire, c'est le président de la République. Maintenant, la première question qu'on doit se poser, a-t-on un président de la République? On n'a pas de président. Et puis, le mal cherché dans la Constitution, par où côté on dit président qui a nommé juge à la Cour de cassation? Là, il y a un problème. Là, si on parle côté président qui a nommé juge, c'est-à-dire là, la nomination faite par Ariel est inconstitutionnelle. Et puis, qui bizarre, c'est de gros avocats qui n'ont pas pouvoir, qui ont félicité, qui ont salué la nomination. Là, je suis tombé dans la nuit, je me suis dit, écoutez, qui bon mieux? Est-ce que nous sommes de l'ordre, nous sommes barbares, nous sommes désordre? Donc là, on pensait que tout doit passer par un consensus politique. Parce que Ariel n'est pas président, Ariel est le premier ministre. Et Ariel a toutes les prérogatives qui lui sont attribuées. Elle dit, là, il n'y a pas qu'à dépasser les limites et tout. Et dans ce sens, on pensait que l'extrême est important. Pour que l'acteur saisisse, pour ses parents, ses intérêts, pas connaître, mais pour ne pas induire la population en erreur pour faire connaître que la nomination d'Ariel est correcte. Non, elle est incorrecte, elle est inconstitutionnelle, parce qu'elle est faite en dehors de l'article 75 qui dit qu'on joue à la Cour de cassation, il y a un acteur qui est entré en ligne de compte, il y a un Sénat, et on n'a pas de Sénat. Et nous avons un Sénat qui est mandaté en 2023, donc nous avons une situation côté que l'institution va fonctionner. Et pays mal marché, insécurité. Maintenant, il y a une crise institutionnelle côté que nous menons, juge n'importe comment. Là, comme avocat, je ne suis pas rentré dans le judiciaire, c'est fait. Je pense que la nomination du juge Lebrun aiderait, certes, parce que la vie du président de CSPJ. Maintenant, est-ce qu'elle est faite en dehors de la loi? Est-ce qu'elle est faite en conformité avec la loi? Non, elle n'est pas faite en conformité avec la loi. Elle viole l'article 175. Et n'importe organisation, n'importe structure qui a intérêt dans la nomination, mais dans le fait que la nomination mal faite, qu'à attaquer, arrêter à part devant le tribunal administratif. Donc, c'est dans ce sens, nous-mêmes, comme avocats, nous disons, et nous continuons de dire, nous sommes défenseurs de l'application de la loi, nous sommes gardiens de l'état de droit. Donc, jamais, on va prendre un ennemi qui va à ville dans la nomination. Ça, là, nous pensons que, faut que bon consensus qui nous joigne. Le consensus, non, consensus, non, bon président. Transition, bon premier ministre transition, bon gouvernement qui fait de route. Fait de route qui peut amener vers l'élection, vers la sécurité, etc. Ou lancer l'économie et combattre la faim, le chômage. Et puis après ça, président qui peut sortir dans la transition a une possibilité, a une prérogative pour nommer juge à la Cour de cassation. Mais Ariel n'aura jamais cette faculté et jamais la Constitution ne prévoit que Ariel qui a nommé juge à la Cour de cassation. Gatine, pour nous finir, gagner un pays Canada là, nous est sanctionné. Et plusieurs gauches à boîte qui étaient dans l'État parmi l'ancien président Joseph Michel. Monsieur, et peut-être que c'est en vertu, d'ailleurs, en vertu de certains mécanismes, des lois canadiennes et des lois onusiennes, des lois réglementaires à la Charte des Nations Unies, qui fait que Canada, avec un pilote pays, a pris des sanctions. Maintenant, si c'est vrai, parce que je me dis, je bénéficie de présomption d'innocence, c'est un gros mal.
mal pour payer hein, parce que là si c'est vrai que monsieur Saotana ça va impliquer quoi pourquoi ça me dit c'est vrai c'est parce que la justice haïtienne gon travail phénoménal pour faire titanesque pour faire et où ça fait là ça met en question ça toujours dire bataille pour nous recamper la justice haïtienne parce que écoutez pourquoi ça c'est blanc coupe j'ai moins sanction pour haïtien quoi là là yo montre yo mettez à nu faiblesse système justice nous yo mettez à nu faiblesse appareil nous c'est dit là si c'est pas de blanc nous voilà j'en connais x y z est impliqué ou pas dans telle situation dans tel fait là dans l'autre Haïti qu'on a fait justice tant sur des priorités parce que le justice en plus fort il va permettre nous combattre l'impunité il va permettre nous combattre l'arbitraire il va permettre nous combattre dilapidation des autres mon cap gaspiller comme l'état là on pense que il reste au pouvoir judiciaire haïtien aux responsables aux autorités haïtiennes de faire le nécessaire parce que tout yeux braqué sur eux maintenant qui juge qui va gagner cran pour condamner la mort qui juge qui va gagner cran pour condamner x y z on ne sait pas mais cependant ça permet de relancer le débat de reformer de restructurer de reconstruire le système judiciaire ici et m'ta même une parmi mon sort capable tenir reconstruction ça va être toujours rêvé toujours dit on t'a souhaité on le pour justice là camper pour justice là solide pour gagner bureau pour gagner palais de justice pour gagner bureau parquet pour c'est pas dans grand bureau un seul juge à siéger vous en dites là on t'a même que juste après responsabilité l'avant avant que moi me parler de dossier ça parce que avant me parler de dossier ça faut me poser une question dit qui justice nous gagner parce que depuis ma injustice nous pas gain pays depuis pas gain pays c'est impunité c'est désordre donc là on pensait que bon travail énorme qui vous fait que gouvernement ça que majorité nationale prend responsabilité pour que peuple haïtien quoi dans justice que dans 5 10 ans c'est pas blanc pas décider pas sanctionner etc., mais c'est propre juste haïtien moi après enquête après instruction qui décide de dire bon m'a pas d'aller X parce que nous joignons ni dans tel fait mais c'est pas blanc juste pour montrer que blanc dit puisque n'est pas capable de faire le bon et où dit un gros bagarre là maître Rémi où dit que est-ce que qui juge qui parle bien cran pour faire si toutefois tu as trouvé que monsieur ça coupable tout bon vrai est-ce que la loi pas doit appliquer même si la loi appliquée sur malheureuse est-ce que la loi pas doit appliquer sur gens des monde ça tout ça me dit là pas étonné une son que c'est monde ça qui nommé majorité autorité au gouvernement là attention hein pas étonné ça va dire si nèg là c'est une nèg qui nommé et puis c'est même nèg qui va condamner encore mon cher on sait nous besoin refaire ce système là parce que trafic de finance là et ça me dit là oui c'est débat pour relancer système là important comment c'est épurer le système là m'étais toujours parlé de épuration gien de nexine sur météo gien de ministre pour nommer faut gien approbation faut gien aval nex ça yo c'est ça m'a besoin l'autre système besoin l'autre justice pour que pas gien trafic c'est pas c'est méritocratie c'est connait qui mettait c'est pas amitaille juste pour récupérer à fonctionner tout autant n'a cautionner n'a arrêter n'a tolérer monde ça c'est sans attendre c'est sans joindre c'est cadeau sans joindre l'illalité pour l'autre pays, l'illalité pour l'autre justice, et justice ça, il est supposé commencer par vous-même qui voulez mettre main ensemble pour que nous mettez pays dans l'autre développement. Merci. Est-ce que vous pensez que c'est pas une politique d'échange qu'a fait Jeune Jodia qui cause ce type de monsieur Sarro? Bon, est-ce que c'est une politique d'échange? Bon, moi, je ne suis pas au courant parce que, écoutez, la communauté internationale a joué le pal. Donc, si dans le système de renseignement, par exemple, si je donne des bonnes informations, il agit. Même pas la petite politique d'échange parce que l'ambassade de Canada a parlé, il dit que ces sanctions sont prises suivant les lois canadiennes et les lois onusiennes. Donc, même pas la petite politique d'échange, échange par rapport à quoi? Vous savez, mais une chose est certaine, Evanson faut tenir compte du fait que vous mettez à nu système de justice sous moi. C'est-à-dire que nous pas capables, nous faibles, nous moribonds. Donc, nous avons ces blancs qui ont des coups de main, ces blancs qui ont des coups de main. D'ailleurs, pourquoi l'ambassade dit. Écoutez, nous faisons qualité de travail à vous, mais il va nous pas condamner. Attention, l'elle dit il va nous pas condamner. C'est son niveau de l'eau sous. Ils vont dire l'eau sous. Il dit si le système juste soit fort, nous allons faire ça. Nous faisons premier par vous. Même dégage au faire ça. Eh bien, nous-mêmes, cap bataille pour l'autre classe politique émergée, pour jeunes venant politique,
en tout profiter de moment ça pour permettre qu'on l'autre classe émergée pour mettre pays sur le développement parce que nous avons besoin de ça. Merci beaucoup.